De multiples applications de rencontres naissent au jour le jour, mais une seule fait la différence, Yamo Africa. Yamo Africa, votre application de rencontres 100% africaine et fiable. Sur Yamo Africa, trouvez l'amour dont vous avez tant rêvé. Quelle voiture tu as? J'ai dit, vous êtes retrouvé où? Donc, comme ça, tu as fini avec tous tes gigolos. Maintenant, c'est sur mon Roger que tu as atterri. Fiche-moi la paix. Hein? Que Roger? Si je voulais sortir avec lui, sortir avec lui depuis. Maman, ton cœur l'est. Mais gigolo. Donc, comme ça, là, tu es devenu l'arachide du deuil. Oui. N'importe qui te ramasse. Oui, j'accepte. Tu as fini de donner le charme à mon frère jusqu'à il est parti. Maintenant, tu récupères, tu fais la collection avec tous les gigolos. Comme ça, pour venir jouir des biens que mon frère a laissé. C'est la collection vraiment là que je fais. C'est déplorable. Oui. C'est vraiment trop déplorable et trop sale de ta Merci part. Merci beaucoup. Ah, Michel, je te dis bien, je redynamise mes organes de base. Tu as compris, non? Si je voulais sortir avec ton livreur, est-ce que c'est depuis il y a longtemps que je sors avec lui? Mais je le regarde, c'est un livreur. Maman. C'est pas ma catégorie. Tu as compris? Si mon frère pouvait se lever de la tombe, il va faire quoi? Et voir son derrière. Regardez-moi, hein, mon fiancé. Quelle voiture m'a mis là? Si je me décide pas acheter sa main 8, j'ai dit la voiture, là, il pas acheter sa main 8. Il vient ici manger tous les jours, laisse-moi te dire ça. Si vous voulez sortir avec lui, il est sorti depuis. Tu te vantes avec quoi? Un livreur? Hein? Voici mon commerce, fais comme moi. Tu as compris, non? Je cherche mon argent et je connais cuisiner. C'est pour ça qu'il marche derrière moi comme ça. Ton frère mourait derrière moi aussi comme ça. Et on a fait la connaissance, elle a arraché du deuil. Assis-toi à l'app. N'importe quoi. Ils vont venir me trouver qu'ici. C'est mon bureau. Donc, comme ça, Roger, vous vous connaissez? Écoute, chérie, mais qu'est-ce que ça insinue? Hein? Mais tout à l'heure, elle connaissait l'activité que tu mènes, elle connaissait ton prénom. Et toi, devant elle, tu étais terriblement perturbée. Mais qu'est-ce que ça insinue, chérie? J'étais perturbée parce que tu étais gênée, toi aussi. Hein? C'était une cafétéria. Hein? Je t'ai promis le mariage, je vais t'épouser. N'aie pas peur, chérie. Hein? Je vais te faire ça. Allez, bisous. Tu es beau. Ça va aller. Alors, et le marché? Ah, ça va, les clients me dérangent parfois. Maman Choco, fais-nous le crédit. Moi, ça me met mal à l'aise, mais je trouve qu'avec du temps, ça va aller. Oui, tu sais, il n'y a pas de marché sans crédit, hein? Mais il faut limiter le crédit. Ouais. Parce que trop de crédit, ce n'est pas tout le marché. Exactement. Voilà. Et comment tu trouves le cadre? Oh, le cadre est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ah,
Ah oui. Ah. Ici, c'est 3W, il marche. Ah bon? Ça, c'est le cadre des hommes nobles. Donc, je suis aussi noble. J'espère qu'avant moi, quelqu'un d'autre ne t'a pas fait découvrir un endroit aussi somptueux. Personne. Et ton feu mari? Mon feu mari, même dans un bar, il m'amenait jamais. Je comprenais seulement parler du restaurant. Mais je n'avais jamais été. Il m'avait jamais amené. Quoi? Oh mon Dieu. Tout ce qu'il savait faire, c'était seulement de rationner. Je fais le ménage, je prépare à manger et le soir on dort. C'était tout. Oh, c'est pas gentil. T'inquiète. On va changer ça. Merci beaucoup. On va changer ça. Merci. Tu sais, j'ai eu une petite commission sur la vente de deux appareils et je me suis permis de t'offrir, ceci. Merci beaucoup. Et c'est pas tout. Amène en boîte de nuit à la fin de la semaine. Oh! Danser! Oui. Et j'aime danser! Tu vois, regarde comment tu as changé aujourd'hui. Ah bon? Un petit maillot, une culottine. Et c'est bien. Mais j'aime bien les petites culottes matelot. Je peux porter ça? Ah oui, mais tu es pas maman Choco? Je suis maman Choco. Alors, pour habiller ton nom! Maman Choco! Merci beaucoup, ma chérie, merci. Maman Choco, il va bien ton nom. Merci. Non, je vais te gâter. Merci. Je vais te gâter. Je vais t'offrir tout ce qu'il y a de bien. Je vais te sortir de temps en temps. T'inquiète. Merci beaucoup, ma chérie. Tu sais, merci. La vie est très courte pour la vivre triste. Exactement. Tu as encore beaucoup de temps devant toi. Merci. Alors mets-toi à l'aise. Merci beaucoup. Je vais t'aider à faire ça. Merci. Oh, je suis tellement émue. Ouais. Hey, la copine des copines. C'est comment Vanessa? Mmh, ça va. Mais tu es toute belle là. Merci. Aïe, aïe, aïe. Mais... tes lunettes là, non, c'est la magie seulement, ma copine. Eh oui, c'est que je ne fais pas de la dentelle. Qu'est-ce que t'amène chez moi? Bon, je venais te voir et te saluer. C'est vrai, j'ai un petit souci. La formation, ça va? Ça va, maman, je me débrouille du mieux que je peux. D'accord. Tu te rappelles de Christian? Christian de l'autre jour, là. Oui, c'est lui. Il a encore fait quoi, ma copine? Je dois lui faire une surprise. J'ai envie de lui faire un bon petit repas. Comme tu connais même préparé comme quoi, là, ma copine. Hein? Masse. Voilà. Bon, pour ça, je veux que tu m'aides 2500. Je vais lui faire une surprise. Vanessa. Quand tu as eu l'idée de ta surprise, tu ne comptais pas sur moi. Donc ne compte même pas sur moi comme tu es arrivé là, franchement. Bats-toi comme tu peux là-bas. Michel, tu es sûr que tu es ma copine? Donne-moi 1500, s'il te plaît. C'est pour lui faire une surprise. Pourquoi tu réagis comme ça? Toi, la fissière. Je pense qu'on t'a seulement fait ça au village, franchement. Une belle fille comme toi, avec toute la beauté, debout là comme ça là, avec tout ton charisme là. Tous les jours, si tu n'as pas les problèmes de 100 francs, c'est 200. Si ce n'est pas 200, c'est 300. Tous les jours, valait ça. Non, franchement, tu exagères. Ya! Yeah. Tu veux me dire qu'on te donne pas le transport ici? Donc tu fais ta formation, on donne pas le transport pour rentrer. Depuis que tu comptes les plafonds chez les hommes là-bas, on te paye pas aussi. Michel, donne-moi 1500 s'il te plaît. Bon, je vais te rembourser. Vanessa, je n'ai pas d'argent pour un prêt, ni pour te donner, franchement. En tout cas, je t'ai dit que quand tu passes ici là, si c'est pour les futilités comme ça, ne t'arrête plus ici. Quand tu as tes conneries là, continue ta route. Ici là, c'est mon lieu de service et il faut apprendre à respecter ça. C'est la DF, il veut plus te voir ici. Il veut commander la surprise. C'est ton problème, surprise mon œil.
Je dis, la fille est sûre qu'elle est ma copine. Tu demandes 1500, elle est incapable de te donner. C'est quoi cette histoire? Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.